Yahweh, 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 bate la mitomo. Yahweh, Yahweh, béni sa mitomo. Yahweh, Yahweh, bate la mitomo. Grande est notre joie de vous retrouver devant vos petits écrans pour cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de ma bannière télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau journal qui s'ouvre avec une note de la justice. Dans la province du Congo central, l'installation de la chambre d'huissier de justice, de la chambre provinciale d'huissier de justice est déjà en marche, ce qui justifie la présence d'une forte délégation de la chambre nationale d'huissier de justice venue de Kinshasa et de membres du cabinet de la ministre nationale de la santé et garde des Sceaux dans la province du Congo central en la circonstance. Il faut donc savoir qu'une conférence de presse a été tenue ce mardi 26 juillet 2022 pour fixer l'opinion sur le vrai travail que doit jouer un huissier de justice dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Suivez ce reportage. En séjour de travail à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour l'installation de la chambre provinciale d'huissier de justice, conformément à la loi du 15 juillet 2016 portant création et organisation de cette profession libérale, ainsi que l'arrêté du ministre de la Justice et garde des Sceaux, le membre du bureau de la chambre nationale d'huissier de justice était face à la presse ce mardi 26 juillet 2022 dans l'enceinte de l'hôtel Formosa pour expliquer à la population les attributions et la noblesse de cette profession. Après l'installation de la chambre provinciale, les greffiers ne pourront plus accomplir les actes d'huissier de justice. Parce que pour votre gouvernement, la loi de 2016 qui crée la profession d'huissier de justice a préciser ou déterminer de manière quasi exhaustive les compétences ou les attributions du huissier de justice. Cette loi a permis quand même de dissocier les deux professions. Après cet exposé, le chevalier de la plume a posé toutes les questions pertinentes sur les conditions pour devenir huissier de justice, son vrai rôle et les prestiges de cette profession. Pour être huissier de justice, il faut d'abord être de nationalité congolaise ou être ressortissant d'un pays où il est reconnu ces principes-là de réciprocité. Alors, il faut être licencié en droit, ça c'est vraiment une précision de taille. S'agissant de la différence entre l'huissier de justice et l'avocat, il y a quelques similitudes actuellement parce que, comme on l'a dit, les deux professions sont des professions libérales. À la seule différence que l'huissier de justice bénéficie de la qualité d'officier public et ministériel. Prenant la parole, maître Hervé Mukatapwe, secrétaire général de la Chambre nationale d'huissier de justice, a rappelé le prestige de cette profession. L'huissier de justice à ses jours est membre de l'Union internationale d'huissier de justice. Il a beaucoup de capacités pour pouvoir agir. C'est lui qui rédige les actes. C'est lui qui exécute les décisions de justice. C'est les représentants du chef de l'État en matière d'exécution. Pour clôturer cette conférence des presse, maître Francis Ekonji Liloka, président de la Chambre nationale d'huissier de justice, et le membre de sa délégation ont appelé le licencié en droit à adhérer à cette profession libérale dont le dépôt des candidatures s'effectue au bureau de la représentation sur l'avenue Sitalandou dans la commune de Matadi pour le concours qui sera organisé dans un avenir proche. Mesdames et messieurs, quittons donc la ville portière de Matadi pour nous rendre dans la cité de Mbanzangungu, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, où les éléments de la police nationale congolaise ont mis la main le lundi 25 juillet 2022 sur un groupe de plus ou moins présumés coupeurs de route. C'était donc le lundi 25 juillet 2022 dans la cité de Mbanzangungu. Et ces éléments de la police sont sous le commandement du commissaire territorial de Mbanzangungu, John Barakomewa, qui a présenté personnellement ses hors-la-loi à la population devant les commissariats situés au quartier Noki dans cette cité de Mbanzangungu. Selon les patrons du commissariat de Mbanzangungu, ces services ont été contactés par un
par un passager qui les a donc informés de la route nationale numéro 1 qui était bloquée à la hauteur de la place Lumia à Téné plutôt au quartier Loma après avoir raté ce présumé hors la loi. Dans cette nuit, le commissaire territorial a rassuré que les enquêtes se sont poursuivies avec la collaboration de la population jusqu'à démasquer cette bande. La police a procédé donc à leur arrestation tard dans la nuit au cours d'une opération spéciale. Cette bande est constituée jusque-là de 8 garçons et 2 filles, tous déférés devant les parquets de grande instance de Mbanzangungu pour aller soutenir leur condamnation. Et nous parlons politique dans ces corps du journal. Vous le savez certainement, le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par l'honorable Christophe Mbosonko Diapoanga, a finalement autorisé le poursuite judiciaire contre le député national Jean-Marc Kabunda Kabund, ancien premier vice-président de cette chambre basse du Parlement, mais aussi ancien président intérimaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, IDPS, parti cher au sphinx des Limétés. Cette demande était donc du procureur général près la Cour de cassation à travers son réquisitoire suite aux propos tenus par Jean-Marc Kabund à Kabund, propos qualifiés par le procureur général d'injurier, mais aussi d'incitation à la haine et d'atteinte à la personne du chef de l'État. Glodino Lukanu pour les détails. Les propos tenus par Jean-Marc Kabund le lundi 18 juillet 2022 lors de sa dernière sortie médiatique continuent à susciter des réactions en République démocratique du Congo. Après l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'Assemblée nationale contre le député Kabund, la justice congolaise s'invite dans les dossiers. Le procureur général, près la Cour de cassation, a sollicité et obtenu l'autorisation de poursuivre en justice l'ancien premier vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais et ancien président AI de l'IDPS pour avoir tenu des propos qu'il qualifie d'injurieux, de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur des institutions de la République et à la dignité du chef de l'État. Cette décision du bureau de l'Assemblée nationale a été prise le lundi 25 juillet 2022. Conformément au règlement intérieur. Pour rappel, Jean-Marc Kabund fut président intérimaire du parti présidentiel et avait joué un rôle important dans la constitution de la majorité présidentielle en 2020. Et il a été radié de l'Union pour la démocratie et le progrès social et évincé au poste de vice-premier président du bureau de l'Assemblée nationale en 2022, soit une année après, pour incompétence et mauvaise conduite. Mesdames, Messieurs, changeons de registre et revenons dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où la population manifeste en exigeant le départ immédiat et sans condition des casques bleus de la MONUSCO. Cela après plus de 20 ans depuis le déploiement de la force onusienne en République démocratique du Congo, dans l'objectif de sécuriser les civils, mais aussi stabiliser les zones en conflit ou en proie aux groupes armés rebelles, convention signée depuis 1999. Cette manifestation au départ était pacifique le lundi 25 juillet 2022, mais finalement la tension s'est dégénérée et s'est transformée en casse. On signale 5 morts pour les bilans officiels et plus d'une cinquantaine de blessés. Retournons sur ce qui s'est passé le lundi 25 juillet 2022 dans la ville de Goma avec notre correspondant Daniel Michombiro. Plusieurs axes de la ville de Goma ont été barricadés par de pierres. Cette situation a bloqué la circulation dans toute la ville. Les manifestants ont incendié une partie de la base logistique de la MONUSCO Goma, RVA. D'autres bureaux de la mission en RDC, basés ici en ville de Goma, ont été vandalisés. Ils ont détruit la porte et ont accédé à l'intérieur. Plusieurs biens ont été pillés. Comme vous pouvez le constater derrière moi ici, c'est la grande base logistique de la MONUSCO ici en ville de Goma. Des manifestants veulent à tout prix y mettre du feu. Ils disent ne pas comprendre pourquoi, depuis plusieurs années, la situation sécuritaire reste précaire à côté de la MONUSCO dans la partie est de la RDC avec un nombre important d'hommes. La MONUSCO a même démontré ses limites tout en montrant que le M23 a une supériorité militaire, une puissance de feu plus que la MONUSCO et plus que la République démocratique du Congo. Ça, ce sont les paroles du porte-parole de la MONUSCO.
C'est pour cette raison que nous, population du Nord Kivu, qui souffrons nuit et jour, qui avons des frères qui meurent à Beni, à Rutshuru et Bunagana et encore sous les mains du M23, nous demandons sans condition. La MONUSCO doit quitter nos terres. La population en a marre. Ça fait longtemps qu'on lance des SOS. La population comprend que pour l'instant, c'est le droit et le Rwanda qui nous agressent tout le temps. La population veut se prendre en charge, veut prendre toutes les choses en main pour régler sa situation. Des morts, des blessés et des biens ont été enregistrés aujourd'hui. Jusqu'à 16 heures locales, la situation est restée tendue dans la ville de Goma. Des balles crépitaient de partout, comme vous pouvez l'entendre ici. C'est par hélicoptère que certains agents de la MONUSCO coincés dans certains bureaux ont été évacués. Goma, Daniel Michombero, Ma Bannière Télévision. Et voilà donc, il faut savoir que cette scène de manifestation et pillage s'est pouivie ce mardi 26 juillet 2022. La grande base logistique de la MONUSCO Nord Kivu basée à Goma a été complètement pillée pendant la nuit et jusqu'à la matinée de ce mardi 26 juillet 2022. Et vous aurez la suite de ces reportages dans les heures qui suivent, toujours avec notre correspondant permanent à Goma, Daniel Michombero. Changeons de registre, clin d'œil sur l'actualité continentale. Nous fixons exactement notre regard vers l'Éthiopie, où ça fait déjà plusieurs années depuis que les conflits armés persistent dans la région du Tigré. Les rebelles sont déjà encerclés, mais ils continuent à résister, à se défendre face à la force gouvernementale et à d'autres rebelles parallèles. Nous allons donc retrouver cet élément de nos confrères de TV5 Monde qui sont partis à l'échange avec ces rebelles du groupe Tigré. Un mètre sous terre au Tigré, région en guerre du nord de l'Éthiopie. Regarde, ils sont vers le gros arbre là-bas. Près de la tranchée, ils sont au fond. Ok. Ils ont traversé ou non? Ceux qui ont la mitraillette sont en train de bouger. Quoi, ils arrivent? Encerclés, les Tigréens continuent à se défendre. La menace de l'autre côté, c'est l'Érythrée qui longe leur région sur 450 km de frontières communes. Car l'Érythrée s'est alliée à l'Éthiopie pour attaquer la région du Tigré et emporter quelques villes situées sur la frontière, comme celle de Zalambessa. Ici, nous sommes sur le front de Zalambessa. À 20 mètres de l'autre côté, c'est l'Érythrée. Et là-bas, c'est la ville de Zalambessa. Zalambessa est sous le contrôle de l'armée érythréenne. Ils ont attaqué le 3 novembre 2020, ils occupent toute la zone et ne sont plus jamais repartis. Ils ont construit une forteresse et ils ont posé des mines dans toute la zone qui est devant. Donc tout ce qui est à droite, il y a des soldats érythréens. Mais en fait, cet endroit nous appartient. 27 ans durant, l'élite politique tigréenne a régné sur l'Éthiopie, avant de céder le pouvoir et d'entrer en conflit politique avec le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed. En faisant la paix avec l'Érythrée, ce dernier a gagné le prix Nobel et un nouvel allié contre l'ancien pouvoir tigréen. Face aux nombreux crimes de guerre qui ont émaillé les combats, Hélène, 19 ans, s'est engagée dans l'armée régionale. Une souffrance terrible a été imposée aux Tigrés et aux femmes tigréennes. Le Tigré a souffert. Même nos mères n'ont pas été épargnées. Ils sont allés jusqu'à endommager leur utérus. Elles ont été violées pour qu'elles ne puissent plus enfanter. 9 mois durant, les Tigréens ont subi l'occupation, avant que la résistance armée ne reprenne le dessus, car aux quatre coins de la région, les forces tigréennes de défense recrutent à tour de bras. Coup de poing en avant, numéro 1. Et voilà, dans la page sportive, tout juste un mois après la victoire finale, sa victoire finale au niveau du championnat provincial de moins de 17 ans du Congo central, bien entendu, championnat de football, l'Académie Club Mavungu est fixée par la Ligue nationale de football des jeunes sur ses adversaires au championnat national de la catégorie dont le débit est prévu le vendredi 29 juillet au stade de Martyrs de Kinshasa. Retrouvons Rivanciala pour des précisions.
Les champions du Congo central débordent de joie du fait de participer au championnat national des jeunes à Kinshasa, tel que relayé par leur président sportif. C'est notre rêve depuis toujours. Quand nous avons décidé de créer cette équipe avec nos propres enfants de la province, et pas ceux d'ailleurs, nous envisageons participer à de telles compétitions et surtout bien se comporter. Logé dans la poule D, après tirage au sort, dont la cérémonie s'est tenue le lundi 25 juillet dans la salle de conférence de la Fédération Congolaise de Football Association, Billa Umpongi pense que l'Académie Club Mavungu a hérité d'un groupe relevé, mais que sa formation dispose des armes capables pour sortir de la poule partagée avec Ujana de Kinshasa, Football Club Castilla du Sud Kivu et Football Club Tonnerre de l'Équateur. C'est un groupe très difficile parce que Ujana est habitué de jouer la compétition. Notre club est logé dans un groupe difficile avec Ujana de Kinshasa, qui est habitué à de telles compétitions. Les deux autres clubs ne sont pas moindres non plus. On croit en nos forces. Les meilleurs vont l'emporter à la fin. Que les meilleurs gagnent. Nous sommes déterminés. Pour avoir l'habitude de se frotter aux plus âgés dans des compétitions telles que le championnat provincial semi-direct et l'entente urbaine de football de Matadi, Billa Umpongi promet un bon résultat aux sportifs de la province au terme de la compétition. L'appui du gouverneur de province Guy Bandundungidi et celui du commissaire aux sports du Congo central, en l'occurrence Dominique Kodiambete, donne également une dimension aux ambitions du club. Cette fois-ci, notre souci est de ramener la coupe à la province de Nabisso. Nous y allons pour ramener la coupe au Congo central. C'est notre ambition. Merci aussi au gouverneur qui n'est pas resté indifférent. Il nous a soutenus. A noter que le coup d'envoi du championnat national des jeunes de moins de 17 ans sera donné ce vendredi 29 juillet au stade des Martyrs de Kinshasa. Christian Simba était à la réalisation de ce journal que nous clôturons donc par cet élément sportif de Rivanciala. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur les antennes de Ma Bannière Télévision. Et nous sommes à votre service.